Le dossier d'Abelson Gounet, l'ordonnance sera rendue la semaine prochaine. C'est ça doit rien dire. Nous-mêmes, nous ne savons pas qui ça doit rien dire. Nous avons une ordonnance qui est relaxée, qui est relaxée, qui est relaxée, qui n'est pas compétent. Bon, ça, c'est doyen. Mais, il y a un débat dans la société qui est lié. Grand pile acteur qui a signé un accord politique, ou après nous-mêmes dans l'ambassade, ça a demandé libération des prisonniers politiques comme une empreinte à supposer faire partie de feuille de route. J'aime toujours dire, seule façon pour un prisonnier politique là qui est la cougnant, son accord politique. C'est le monde qui parle président, le monde qui parle premier ministre, et organe de transition, ou bien OCT, organe de contrôle, supposé bail comme point une feuille de route qui peut avoir gagné libération prisonnier. Mais libération prisonnier politique, yo. Faut le faire en gens pour pas créer représailles. Parce que pas calmement de libération de zone politique. Pendant que les procédures, les garanties judiciaires ne sont pas respectées. L'homme vient faire tout le monde qui est en prison, son état va lever contre le parlement de la guerre tout le monde. Un bon exemple, le dossier d'Alain Bélizère qui est objet d'un pouvoir en cassation. Seul un président peut nommer un juge de la Cour de cassation. Il n'y a pas de président de la Cour de cassation pour statuer sur le dossier d'Alain Bélizère. Ça, c'est une méchanceté. Mais il y a un acteur, Abelson Gounet, qui lit Alain Bélizère, acteur, président Calvinien, culte XY, le chita a pu entendre le dire. Donc faisons de la libération des prisonniers politiques notre priorité. Nous-mêmes, comme avocats, c'est sans demander. Pendant que je travaille pour Abelson Gounet, les procédures se font. Mais écoutez, vu l'instabilité politique, je suis obligé de demander aux acteurs de prendre leurs responsabilités également. Parce qu'on pas qu'à dire ou pour venir avec un nouvel air, un nouveau souffle, sans qu'on pas penser à mon qui est en prison. Ou pas qu'à dire ou pour venir avec et aller essayer assez de revendications sur le peuple, sans pas mettre en question la libération des prisonniers politiques. C'est très important pour nous. Et nous, même dans le niveau cadre, ce n'est pas la libération des prisonniers politiques seulement, mais tout le monde qui est en prison. Tout le monde qui a coupé en prison. Et nous avons fini pour nous dire que, et avant qu'il y ait le troisième point, nous avons fini pour nous dire que les conditions de détention restent toujours inquiétantes. Et j'aime dire dernièrement, nous avons salué la décision de délocaliser le palais de justice, mais nous avons toujours été sous soif nous, parce que nous avons jamais moins qui a organisé la justice criminelle. C'est ça notre thème. Cadeau son statut de droits humains et Wallou, c'est goumé pour le respect des libertés individuelles. Depuis ce côté qui viola ce droit, mon cadeau toujours là. Ou après, question de présomption d'innocence, cadeau parlé, c'est parce que ça fait trop impact en dans la société. Gon demoiselle de 18 ans qui a arrêté dans la question de mars 75 ans. Il a publié photo. Si mon nom honte, parce qu'il a dit même madame tel, même madame dit, même madame X, madame Greg. Ou même qu'il a arrêté mon nom, gon petit, il a arrêté, puis il a pris une photo. Il a mis sur Twitter. Avec le logo madame volé madame Bandi. Est-ce qu'on t'a content consacrer les présomptions d'innocence côté or que haïtien li ratifié en France yo bouyé image moun yo les passe dans télévision yo bouyé image moun yo juste pour respecter garantie judiciaire pour que ça nous même pas faire ici. Et bien dans ce sens nous comme avocat nous dit que si le DG Léon Charles persiste et signe avec cette pratique nous bon garantie que sous peu nous va déposer une plainte dans l'IGPNH contre le haut état-major de la police. Et nous fini pour nous dire que le dossier Yannick Joseph là, il va le faire surface parce que et Yannick Joseph et Elder nous va le faire un habeas corpus pour tous les deux parce que nous avons une situation difficile, nous n'avons pas qu'à circuler. Et rapidement, il y a une question ça qui passe Montana. Et permettez-moi de dire que ça qui passe Montana, c'est un mauvais signal. Il lance un mauvais signal dans l'international. Et nous sommes objet de la ridiculisation de la part de plusieurs personnes. Monsieur actuellement là, il a kidnappé deux chauffeurs, alors deux mondes. Il a demandé $1 million comme rançon, il a demandé là $1,500,000 américains comme rançon. Même si le chauffeur a fait 100 ans en ville de travail, mais il a touché 25 000 gouttes, il ne peut jamais faire comme ça. Et ceci, l'autre monde, tout l'autre monde qui a kidnappé par les noms. Moi, je pense que nous venons dans une situation de bataille pour pouvoir, c'est Rio Rio. Lorsque nous bataille pour pouvoir comme ça, c'est les gens qui sont victimes de cracher sur les gens. Les gens qui sont dans la manifestation de cracher sur nous, nous ne savons rien.
Moun ki perdu pied, perdu jet, perdu bras, pris gaz. Ki mouri en bas la police, ki mouri militant chan mansyo. Militant ki victime ki pran ban nan men la police sou chan mansyo. Là nous rivé konsa nan batay nan pou an akò signation akò, c'est sou moun son crash. Moi même pense monsieur que l'heure n'est pas à la bataille politique. Il est venu un moment de poser les vrais problèmes du pays. Il faut faire ce qu'on appelle un dépassement de soi, une transcendance. Parce que blanc a pensé pour 2050, 2100, nous-mêmes n'a pensé pour 2022, n'a vécu qu'il est, n'a bon diri, qui n'a bon BM, qui n'a bon on Land Cruiser, on Range Rover, on Wrangler. C'est pour ça n'a pensé. N'a toujours dans même sanier là. Si par des acteurs politiques émergent, n'a prôné on leur vision, on leur politique. On l'autre jeunesse qui ont politique de développement durable, c'est sans besoin. Nous pas qu'en 2021 pour nous au niveau au tribunal fermé, c'est inacceptable. Haïti devient un enfer, il faut changer les conditions de ce pays parce que le peuple haïtien bouqué depuis 86 à Kounia, c'est les mêmes choses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Monsieur, quand conscience que moment pas venu pour une bataille dans la politique, c'est pour nous poser problème pays. PIB nous pas bon, revenu per capita nous pas bon, indice de développement humain nous pas bon, espérance de vie en Haïti, on a ces 50 ans, stress tellement tout au mourir avant ça. Il faut changer de politique pour le pays parce que le peuple haïtien veut respirer un nouvel air. Merci beaucoup. Merci tout le monde. En question, je présente un papier de trois points. Premier point, c'est question qui est relative à sacrer la présomption d'innocence. Et il va faire un débat en dans la société. Et moi-même, comme avocat, au niveau cadeau, nous obligé de venir avec parce que dans plus de monde qui est victime de ça. Dans plus de monde qui est tué tête, parce que la police a arrêté un arrimage. Au sortant de ces, un chef de gang qui a arrêté, un bandit qui a arrêté, il prend plusieurs hommes ensemble en fait. Nous devons comprendre que je dis là, leur arrêté un monde, depuis la police a arrêté un monde, pour montrer au peuple qui travaille, la police a fait photo et puis publier sur les réseaux sociaux. Qui ont été coupables ou pas. Nous-mêmes, comme avocats, nous prenons le contre-pied par rapport à agissement ça parce que l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme interdit ces pratiques. Nul ne peut être déclaré coupable pas avant qu'un jugement n'ait été rendu par un tribunal compétent. C'est ça la loi dit. Le la police arrête un monde, faut la police en prudent pour ne pas porter atteinte à la liberté individuelle, à la garantie judiciaire. Maintenant, on va imaginer au final arrête un monde, ou dit monde dans bandit, ou prend photo, ou écrit PNH, etc. Mais bandit, ou même côté, oui. Et puis le juge arrive, le juge n'a pas été aucun lien avec ce dire. Maintenant, qui réparation pour le bain ça? Est-ce que vous êtes au courant de qui dévastation fait dans la vie Moussa? Nous connaissons des gens jusqu'à présent pas qu'à jouer de travail. Parce que y a arrêté, il n'y a pas de rien. Nous connaissons des gens qui ont arrêté pour la vache de fritaille devant la calle, arrêté. La police dit ben dit lié dans la gang de Casimarozo. Le juge de Pelle et le commissaire regarde le commissaire dit pas de rien. Maintenant, jusqu'à présent, pas qu'à travailler parce que il y a été sur la télévision, il y a la police, il y a photo, dit c'est bandit lié. Et en dans la police, en une section que les droits humains, la présomption d'innocence est une garantie judiciaire. C'est un droit fondamental. Et Léon Charles, si Léon Charles persistait à pratiquer ça, nous-mêmes comme avocats dans le cadeau, nous prenons, faisons ça au relais, nous prenons déposer une plainte dans l'IGPNH pour le directeur général là, pour atteindre à la liberté individuelle. Ça. Et il faut comprendre que dans pile monde qui est victime, dans pile monde qui n'a marché dans la société, à filio, à de gang comme ça, pendant que vous n'avez si vous tuez socialement, vous retirez sous scène, et vous ne pouvez jamais rien dans la vie encore. Tandis que dans notre pays, même terroriste là, oui, le arrêté terroriste là, français a un mode li brouiller l'image là. Pour figuer les gens pas paraître. Yo respecter garantie judiciaire ça pour que ça nous-mêmes nous pas faire le même genre tout en Haïti. C'est parce que nous pas respecter la loi, nous pas respecter garantie judiciaire, objectif nous c'est détruire monde, c'est finir monde pour montrer à notre patron qu'on est en train de travailler.
et le collectif des avocats s'insurge contre ces pratiques parce que c'est inacceptable, c'est inadmissible qu'en plein 21e siècle, pour que les valeurs humaines soient bafouées, soient violées à tout bout de champ. Et ça fait Nap dit, Léon Chol, faut qu'il passe l'autre formel à l'autre policier, l'autre gros chef capitaine de la police, pour que le arrêtons Mounkounia avant que vous publiez, pour vous faire en sorte que vous brouillez l'image, pour ne pas détruire Mounan socialement, parce que le fait ça, ou pousser Mounan à tuer tête, même qu'on est gens qui tuent tête, tout ça. Nous-mêmes, comme avocats, seule aide nous capoter par Mounan, c'est dénoncer pratiques parce qu'elles sont contraires à la loi. Elles sont contraires à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elles sont contraires aux droits et à la Convention relative aux droits civils et politiques. Nous ne sommes pas d'accord pratique ça. Nous-mêmes, au niveau collectif, dénoncer et c'est rôle nous comme organisme de droits humains pour nous relâmer les violations de droits humains, pour nous relâmer les violations de liberté individuelle. Deuxième point, c'est question de l'état d'avancement du dossier à Besson-Bonegla.